Aujourd'hui, il fait un grand soleil, grand beau temps, il fait même chaud. On va monter et voir l'état d'un pré trépentu. Kéric a beaucoup de mal à débroussailler, je vais voir dans quel état il est pour éventuellement voir ce que je peux faire de mon côté. Hop. Allez, je vous laisse passer devant pour pas que vous m'embêtiez. Moi, il va me falloir du temps pour passer les ronces doucement net. Allez. Hop, et là, on va monter là-haut et se trouve à l'entrée du champ. Les bébés, allez! Allez les bébés, trésor! Allez, venez là, allez! Traversez le thym, vous sentirez bon. La garrigue, allez on monte! Allez, moins de 100 mètres. On est arrivé, hein, hormis une éventuelle haie à l'extérieur, sinon ça devrait être débroussaillé. Mais comme c'est entouré de vignes ou de champs semés, c'est très compliqué de venir avec les chèvres quand c'est pas débroussaillé, donc Eric n'y vient jamais. Ouh, ça fait souffler, ça monte et il fait chaud. Donc je vais essayer de venir faire quelque chose manuellement. Par un chemin détourné. Les chiots, il n'y a pas de souci, mais moi en hauteur, c'est vraiment pas évident d'y accéder. Là, on va descendre les bébés. Quand il y a la loi des séries, maintenant c'est autour du tracteur. Avec un pneu à plat. Donc, appel de nouveau au réparateur. Bonne nouvelle, je viens de récupérer mon Bobcat en état de marche. Le réparateur vient de partir. Il a pu réparer la fuite d'huile qui était due à une patte de fixation d'un filtre qui était cassée et qui, avec les vibrations, est venue desserrer un conduit hydraulique. Bon, il a tout resserré à bloc. Je peux réutiliser le Bobcat et reprendre les travaux de nettoyage qui ont pris beaucoup de retard. D'autant plus aggravé par le fait d'une fuite d'eau. Je suis passé au-dessus d'un tuyau d'eau qui était normalement protégé par du ciment, mais celui-ci, du fait de son âge, a cédé et est venu ébrécher le tuyau d'eau. Donc encore une réparation à faire et qui ne sera pas simple une fois de plus, puisque les diamètres de tous les tuyaux sur la ferme n'existent plus à la vente. Ben, notre exceptionnelle petite Nestia nous a refait des quadruplés cette année. Déjà l'année dernière, elle avait fait 4 magnifiques petits bouts de choux. Mais là, cette année, de nouveau 4 beaux petits bébés, 3 mâles et une femelle. Malheureusement, nous n'étions pas là à la naissance. On était en train de s'occuper des tracteurs et des pannes à répétition. Alors j'espère que ça se sera bien passé parce qu'elle a avancé sa mise bas de quelques jours. C'est ce qui arrive sur des portées multiples. C'est une façon d'économiser un peu l'organisme de la maman pour se consacrer à sa future lactation. T'as déjà tété. Ça va pas, ma petite chou. Bon, je commence à faire le débroussaillage, le désherbage manuel du jardin. Voilà, il y a de quoi faire. J'espère dans quelques jours pouvoir remontrer la même vue, mais avec un aspect très différent.
encore mon trésor. Voilà, pendant qu'Eric est en train d'atteler la faucheuse, je vais amener les chiens et trésors se rafraîchir à la rivière. Ici on est ce qu'on appelle la Crudelle. C'est une zone sur laquelle on passe très régulièrement en été avec les chèvres. Je vais prendre mon bobcat et je vais continuer jusqu'au champ des jarmes. Eric m'a dit qu'il y avait un rocher quelque part par là. Faut qu'il le trouve pour l'enlever. Ah, je le vois. Pour reculer, voilà.
Ici, c'est les Clapazours, donc c'est là où Eric a fait la fauche hier. Ça a été le premier jour de fauche, donc après la réparation du pneu du tracteur, il s'est mis de suite, vu que la météo était bonne. Par contre, je vois qu'il n'a pas fait la partie haute au-dessus du mur, parce que je pense qu'il a eu peur de ne pas arriver à maîtriser la nouvelle emballeuse, qui est un gabarit supérieur à l'ancienne, et d'avoir des difficultés à manœuvrer. Ah, ça c'est le chemin d'accès au Clapazour, je suis en train de repartir, mais je pense qu'il va falloir que je vienne élaguer, parce que l'emballeuse passera certainement pas, du moins ça va racler un peu partout. Fâché fort, hein? Allez courir derrière les ânes. Non, mais qu'est-ce que c'est ces chiens? Oui, tu peux. Vous allez voir, moi, faire des bêtises là comme ça. Je fais un petit tour des bâtiments pour voir s'il n'y a pas de chèvre qui met bas ou qui se prépare à mettre bas. Non, mais mise bas, c'est fait sans nous. C'est Nathilia avec ses bébés. Là, c'est le petit mâle. Nathilia avec sa petite marbrure sur les fesses. Et ça, c'est la petite femelle qui se barrette sur le visage. Une titinette.
tous les trois, c'est la famille Noir et Fussengo Frosting pour les chevreaux. Le papa, c'est Ripley. Il est noir rouant, c'est-à-dire gris et feu à marque suisse, mais n'a ni transmis les marques suisses ni sa couleur diluée. Là, c'est la maman qui a tout transmis. Lui, il a transmis uniquement le frosting, c'est-à-dire les oreilles blanches et le bout du nez blanc, mais pas plus. Allez, je vais les faire téter. Elle a une jolie mamelle, donc elle devrait avoir tout ce qu'il faut pour qu'il démarre bien dans la vie. Et petit bébé. Allez, d'abord, je vais faire un petit jet pour m'assurer que le treillon n'est pas bouché. Je fais. Non, là, c'est bon. Attends. Voilà, elle était bouchée. De l'autre côté, les chevaux auraient eu du mal. Allez, à toi. La dernière fois, si tu passes là, je t'attache à la clé. Hein. Allez, va voir se coucher. Hop. Ça essaye de crier. Et oui, tu vois, c'était là. Tu as remarqué? Et alors? Ah, mais putain. Et oui, t'as vu. Et c'était ça. Tu as vu que ça, c'est bon. Mais c'est très bien de demander à tété. Allez, maintenant, il faut que maman coopère. Oui, ma pupus, c'était ça. Tu as vu, t'as remarqué. Mais c'était ça. Alors maintenant, on se recouche. Et on recommence. Là. Voilà. Essaye. Laisse la tête. Hop là. Là. Je te lève pas ma puce. Là il y a des chèvres qui refusent parfois de faire téter, ne serait-ce que parce qu'elles ont peut-être mal aux mamelles, les hormones. Mais là elle n'a pas un puits très dur quand même. Donc il est sur relativement souple. Simplement l'instinct maternel ne s'est pas encore réveillé. Il faut parfois 48 heures, donc il faut faire téter. Régulièrement, laisser la mère et le ou les chevreaux enfermés dans un réduit de 1 à quelques mètres carrés selon le gabarit. Et même certaines chèvres agressives, alors faire attention quand même que le chevreau, si la chèvre est agressive, il puisse se mettre sous quelque chose, un seau suspendu ou qu'il puisse s'abriter. Et normalement, sous 2 jours, voire 3 jours maximum, la mère, dans 95% des cas, voire même plus, adopte son chevreau. À passer 3 jours, c'est généralement terminé. Il y a peu de chance. C'est bien ma cocotte. Tu vois, c'est une position un peu bizarre pour téter, mais ça marche. Et là, on a été envahi de mouches. J'ai sorti du fumier à côté. Ça a attiré des mouches. Il faut que je rajoute un piège à mouches supplémentaire. Regardez comme c'est mignon. Mais oui, ma chérie, tu as passé tété. On va d'abord faire ton frère, au cas où ta maman perde vraiment patience et que j'y arrive plus. Et puis on complétera. Elle se met... Non, tu restes dans la barrière. Exprès avec le bois à côté pour que le chevreau n'arrive pas à tété. Ah, allez bébé, je te laisse essayer d'y arriver parce que tu es plus dégourdi demandeur que ta sœur. Il faut que tu apprennes. Allez, je t'aide un peu, je te positionne. Oui, c'est là. Non, m'a dit non. Oui, c'est toi. Hey, tu fais le petit bouc? Non. Hop. Non, je sais que tu le veux pas, mais tu vas voir. Hé, ça changera. Il faut tourner. Hop, il faut tourner. Hop. C'est très bien. C'est juste. Voilà.
semaine. Non, je suis désolée, tu tiens 20 secondes la tête à patte en l'air, ma pupus, tu n'es pas assez sage. Non, 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 non. Non, 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 non. Petit bébé qui vient contre moi se lever. En attendant, vu que leur maman ne veut pas d'eux pour le moment,